Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Gémeaux. C'est assez rare. Sur ma chaîne, j'ai mon fils qui est debout en train de gogner chez le voisin. Debout sur la balançoire. Particulier. Je vous disais, un haul Gémeaux, c'est assez rare sur ma chaîne parce que je ne pense pas souvent à regarder sur ce site. Mais là, il y avait 50% à partir de 5 articles achetés. Je pense que ce sont les ventes privées qui commencent. J'ai fait une coiffure à la Walligan Beast to Fly. Je vous raconte pas. Je suis en pige. Nous sommes vendredi soir. C'était une semaine assez hard. Et donc, je ne rêvais que d'une chose, c'est de rentrer, de me mettre en pige. Donc j'ai le débardeur, le fameux débardeur à 2,50€ de chez Kiabi, et puis le pantalon taille élastique. Je viens d'essayer tous les vêtements, je pris une bonne douche et me voilà en train de tourner ce haul en mode voilà quoi. Mais c'est pas grave, hein, on s'adapte. On va remonter un petit peu ça parce qu'il ne s'agirait pas de montrer ce qu'on veut pas. Pop, hop, hop, voilà. Alors, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles. Sur les 7 articles, je vais garder, je pense, un article. Un article, ouais. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Ah, j'ai mon petit qui est en train de crier police derrière son frère qui lui a volé son vélo. Alors, en premier, nous avons une robe portefeuille blanche. Alors, première chose, je n'aime pas trop la matière. Elle ne fait pas qualité. On ne va pas se rendre compte. Non, on ne va pas se rendre compte. Taille XL à 25,99€, 98% de polyester recyclé. J'aime pas trop la qualité de cette robe. Elle est extrêmement transparente. Je pense qu'on va le voir parce que j'avais un dessous noir. Donc, on va s'en rendre compte. Le problème, je pense qu'on le voit ou on l'a vu. Mais en fait, robe portefeuille, juste deux boutons quoi. Deux boutons et cette petite ceinture. Le haut, le bas, non. Non, moi j'ai besoin quand même de me sentir un petit peu en sécurité dans mes vêtements. Sinon, la coupe est jolie. Moi j'ai trop de ventes. Ça, en fait, le côté portefeuille ajoute du volume au niveau de mon ventre et c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Mais elle est jolie, la coupe est jolie pour quelqu'un qui n'a pas du tout de complexe avec son ventre, etc. ou qui a plus des cuisses. Franchement, je la trouve vraiment pas mal, surtout à 50%. Ensuite, nous avons une robe orange. Pourquoi orange? Parce que j'adore cette couleur. Je trouve que ça fait partie des rares coloris qui apportent un côté allé. Moi j'adore le bronzage, vraiment, mais je ne m'expose pas au soleil, donc je mets de l'autobronzant quasiment toute l'année, du clair l'hiver et du plus foncé l'été, mais hop, et là on a un petit, c'est bon, et je trouve que ce coloris rend le bronzage absolument magnifique. Je pense que mes enfants sont en train de faire des bêtises assez importantes. Je l'ai prise en double XL parce qu'elle était notée taillée petit et elle est à 25,99€ aussi. Je vous la présente ici. Assez jolie, pareil, hein, polyester. Polyester, polyester, polyester. J'adore les robes. Vous savez, c'est le test des robes princesses. Quand on tourne, j'adore cette forme de robe-là. Maintenant, d'accord, bon, bah, je peux vous le montrer parce qu'en fait, il a un casque, des lunettes de soleil.
D'accord. D'accord, ok. Ah ouais, là, c'est sûr, on te reconnaît pas, là. Ah, franchement, t'es un sacré policier. Moi, je trouve qu'il va avoir peur. Hein. Tu penses? Hein? Tu penses qu'il va avoir peur? Oui, il va avoir peur. Moi, j'ai une motocross. Pas au courant. Et maman, je sais, moi, j'ai une motocross. C'est pas vrai? Si. Elle roule vite? Ouais. C'est dangereux, hein? Non mais j'ai des gants et un casque. Ah, c'est bien alors. T'as les équipements de sécurité. Ouais, j'ai des équipements de sécurité. Je l'ai déjà mis, je l'ai laissé là. D'accord. T'y vas là? Hein? T'y retournes là? Ouais, je retourne avec travailler avec moi. Ok. Ah, c'est un gros voleur, Nolan? Oui, c'est un gros voleur. Nolan, c'est un gros voleur. Dans deux secondes, j'entends crier. Bon, ensuite, on a une robe bustier. Je voulais absolument me trouver des bustiers pour cet été. Pareil, pour aller en vacances, parce que ça, chez moi, j'ose pas porter. Mais pour aller en vacances, je pensais que ça aurait pu être sympa. Je sais pas si j'ai fini de vous présenter la robe d'avant, mais bon, vous l'aurez vu en présentation, hein, robe patineuse, voilà. Robe bustier rouge, pareil, matière polyester plus. Fermeture à l'arrière, mais assez extensible, franchement. Je l'ai prise en XL et elle est à 25,99€. Franchement, elle tient super bien. Vraiment, autant j'ai une forte poitrine, il y a ce liseré, on le voit bien là, il y a ce liseré là transparent tout autour et elle tient franchement pas mal. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est pourquoi nous avoir mis un pli en plein sur le ventre? Bon, je ne saisis pas trop. En fait, un de chaque côté limite. Pourquoi pas? Mais là, en plein milieu, non, c'est pas le coup de cœur. Donc, qui dit pas le coup de cœur, dit tu rentres chez toi. Tu retournes dans l'entrepôt Gémeaux. Non, c'est non. Et vous allez voir qu'après, j'ai beaucoup hésité, mais que si je suis ma logique, je ne garde pas. Ensuite, nous avons cette magnifique robe. Vraiment magnifique. Elle est magnifique. Elle est agréable. Le motif est... C'est... Oh, je me suis mal démaquillée encore. Oh. Le motif est absolument splendide. Robe chemise. On va le voir. Je l'ai prise en 44. Elle était à 29,99€. Voilà. En 44. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Patineuse, robe chemise un petit peu évasée sur le bas. On le voit, moi, elle est trop serrée au niveau de la poitrine. Par contre, je vois qu'elle est jusqu'au 46 et je pense que je vais essayer de la commander en 46. Vraiment, ça, c'est le coup de cœur. Elle est magnifique. Elle est doublée tout le devant, tout l'arrière. Il n'y a que les manches qui ne le sont pas. Vous voyez? Sinon, elle est... Zoubi la mouche, là, non. Elle est doublée et la doublure est hyper agréable. Mais vraiment hyper agréable. Ça, c'est vraiment le coup de cœur. Vraiment, 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 c'est un gros coup de cœur sur cette robe. Donc... Si je ne peux pas l'avoir en 46, je suis verte, mais je pense que je la garderai pas quand même parce qu'elle est trop petite au niveau de la poitrine et légèrement au niveau du ventre. Et habituellement, je me serais dit,
Je me serais dit, je vais la garder pour quand je vais maigrir. Mais on a perdu cette idée depuis longtemps. Donc, bah non quoi. Non. J'ai déjà 5 ou 6 caisses dans mon grenier, dans mon garage de vêtements trop petits de l'année dernière. Donc, clairement, c'est pas raisonnable. Ensuite, on a cette robe-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe? Bretelle en strass. Col droit. Carré. Dos nu. Magnifique. Je l'ai prise en double XL. Je l'ai payée 27,99 €. Elle est magnifique. La chose qui me gêne, bon, déjà, c'est que ça rend pas pareil sur un 44 que sur un 38. Mais c'est que c'est du coton. Et en fait, le fait que ce soit du coton ne donne pas le tombé que j'imaginais. Vous voyez, je la voyais plus souple. Plus souple. Par contre, le dos nu est vraiment très beau. La coupe est vraiment très belle. Surtaillée un tout petit peu, hein, parce que j'ai pris double XL alors que normalement je prends XL. Elle est très très belle, mais sincèrement, le fait que ce soit en coton me donne pas le tombé que j'imaginais pour cette robe. Et le coton l'été, parce que pour avoir un dos nu comme ça, pour mettre sans dessous, etc., il faut quand même qu'il fasse une certaine chaleur. Et j'habite dans le Pas-de-Calais. Je tiens à le signaler, aujourd'hui on a 17 degrés et on est content. Imaginez. Donc voilà, bon, c'est tout. Ensuite, je suis tout. Je rigole moi-même. Hein. Je suis toujours à la recherche de mon maillot de bain paillettes pour cet été. Voilà, j'ai tenté le bleu paillette. 44. 24,99 €. Mais elle est tatasse, elle est chiante cette fille. Ça fait mal là. Ça fait mal aux épaules. Alors je pense qu'on peut le faire plus bas, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Et je trouve le décolleté trop large. Vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer sans trop montrer. Vous voyez, un décolleté comme ça, moi ça ne me gêne pas. Maintenant, un décolleté de là comme ça qui cache juste, vous voyez, c'est trop. Ils sont en train de se taper. Moi, je les laisse se débrouiller. Donc, c'est trop. Trop décolleté, voyez. Vraiment, vraiment, très, très, très décolleté. Et ça. Ça, je suis pas fan. Par contre, ça, c'est ce que je vais garder à coup sûr. Je trouve que là, avec le maillot de bain bleu, c'est pas terrible. Mais avec un maillot de bain noir basique en dessous, franchement, pour les soirées au camping, moi, ça me va parfaitement. C'est ce que j'adore mettre. Vous sortez de la piscine quand il fait très chaud, vous mettez ça toute la soirée au mobile, au camping. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Je l'ai pris en XL à 14,99 €. Voilà, et le motif est comme ceci. Vraiment, la qualité est pas mal, hein. Franchement, 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 pas mal. On voit que ça se tient. On voit que c'est pas trop lourd, mais que ça se tient quand même. Le fait que les manches soient trois quarts, ça ne me gêne pas. Franchement, j'aime bien. J'aime bien cette sortie de bain, entre guillemets, ce dessus de maillot de bain. Et puis voilà, c'est tout pour cette commande Gémeaux. Ça faisait un moment que je n'avais pas commandé chez Gémeaux et là j'ai passé une commande sur La Halle. On va voir. La Halle, je ne pense pas que je pourrais vous la choisir, vous l'essayer. Parce que là, je suis opérée mardi. Je l'ai passé ce matin.
En fait, je l'ai validé ce midi en revenant. Donc, bah, je ne l'aurais pas reçu lundi. Donc, je pense pas que je pourrais l'essayer en vidéo. J'essaierai de l'essayer à la maison, mais je pense que j'ai mal calculé mon coût là pour cette histoire. Après, je vais voir combien de temps on a pour faire l'échange. Si on a un mois, eh bien, ça attendra que j'ai pu les drains, etc. Voilà pour ça. Ne me demandez pas ce que j'ai comme opération, etc. Normalement, il y a eu. Je vais la tourner après. Donc, normalement, il y a eu la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je vis en ce moment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez du beau temps. Et si c'est le cas, comme en Corse, n'est-ce pas? Le sud, pour l'instant, c'était un petit peu mitigé aussi, mais si vous avez du soleil, écoutez, soyez indulgents, on habite dans le Pas-de-Calais, avec juste 20 degrés, on est heureux. Alors, imaginez, vous pouvez nous en donner un petit peu, ça serait super sympa. Je vous quitte sur ces petits mots. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère que vous allez bien. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite, j'espère.